Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Belizia. Un plaisir, l'autre fois encore pour ensemble, pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale dans le pays Italie, c'est coup d'envoi sommet G7 là qui réunit 7 plus gros économies mondiales avec Pape François et président ukrainien Volodymyr Zelensky qui trouvait parmi invités spéciaux dans l'événement ça. Toujours dans l'international, l'ancien président républicain Donald Trump paraît jeudi à dans Capitol Hill, là, qui est donc dans le Congrès américain pour première fois depuis l'insurrection 6 janvier 2021. Et puis, actualité dans le pays d'Haïti, réaction continue à tomber après installation Premier ministre Gary Conille avec membre nouveau cabinet ministériel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On leur fait encore merci d'être choisi VOA Créole pour et informer. Aujourd'hui, c'est jeudi 13 juin 2024. Actualité à mener nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté depuis hier pour arriver jeudi 13 juin. Eh bien, c'est installation pour le ministre Gary Conille avec l'autre membre cabinet ministériel. Il y a un cabinet qui gagne. Et 14 ministres, 10 garçons, 8 filles pour 18 ministères. C'était occasion tout pour Premier ministre Gary Conille pour un engagement devant le peuple là pendant que président, conseil et présidentielle transition Edgar Leblanc rappelait gouvernement responsabilité devant crise haïtienne. Je m'engage donc devant vous, chers concitoyens, à servir notre nation avec intégrité, transparence et dévouement. Mon gouvernement travaillera sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chaque Haïtien et de chaque Haïtienne, pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère, et pour rétablir la dignité de notre peuple. Notre pèlerinage collectif commence nécessairement par un retour au climat sécuritaire. Sans sécurité, aucun progrès durable ne peut être accompli. Pour ce faire, il est crucial que nos policiers et nos soldats soient bien préparés pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Ce dialogue et cette concertation débouchera obligatoirement sur la mise en place d'un conseil électoral provisoire comme élément essentiel pour garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Ce sont des pas cruciaux vers la restauration de notre démocratie. Il revient à votre gouvernement de rétablir la sécurité, relancer les activités économiques et sociales dans ce pays ravagé par la violence des gangs armés, réveiller les consciences et mobiliser toutes les énergies afin d'ouvrir la voie à l'organisation d'élections libres, démocratiques, crédibles, transparentes, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Donc c'était Yon après l'autre Premier ministre Gary Conille et président Conseil présidentiel transition monsieur Edgar Leblanc et fils pendant il a parlé de insécurité de gang un bégay en pile réaction sous nouveau et développement politique ça gagne un leader haïtien parlant de et professeur Camille Chalmers qui demandait pour peuple à lever camper pour forcer autorité yo nouvelle autorité au résoudre problème gangstérisation en Haïti un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Professeur Camille Chalmers, cap dirigé structure politique Racine Campé Plan ak organisation plateforme haïtienne plaidoyer pour yon développement alternatif PAPDA, dit nouvelle autorité qui à peine prend tête pays, hein, pap résout problème gangsterisation si peuple haïtien pas levé campé. La population doit être extrêmement mobilisée, extrêmement vigilante par rapport à la décision que c'est peut-être fait pour que nous assurer nous que nous rentrons vraiment dans un sentier de sortie de crise, de dégangstérisation et de récupération de la souveraineté nationale. Et ça n'a pas fait, ça que la population n'a pas mobilisé. Professeur Camille Chalmers parlait des plusieurs dizaines de kilomètres de zones côtières et frontières paysans que l'État haïtien n'a pas contrôlé. Pas oublier que nous avons 1770 kilomètres de côte, nous avons 392 kilomètres de frontières et nous avons 1770 kilomètres de côte qui est laissé à l'abandon total. Donc, on peut contrôler qui s'est entré, qui s'est sorti. Et pour maintenir cette situation, plus pays désorganisé, plus pays chaotique, son situation qui justement facilite, n'est-ce pas, tout crime organisé, que ce soit à travers le commerce de la drogue, que ce soit à travers le commerce des armes, ou bien le commerce des personnes, le commerce d'organes, toute tragédie, ça, que nous vivons, est liée à phénomène ça. Et c'est pour ça que toute perspective de sortie de crise doit prendre en compte ça que Haïti représentait historiquement, prend en compte les contraintes liées à notre positionnement géographique
et dans le combat géopolitique, yo, et nous devons mettre en place un projet de souveraineté, un projet de récupération de la souveraineté qui est fondamental pour nous capables de sortir dans la dynamique de crise répétée, de crise à répétition et de crise qui, je dis, a fini avec Pénin. En tout cas, nouveau premier ministre haïtien, Gary Conier, dit la peur doit retourner car les gangs armés, Wenan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci, Wenan. En parlant de gangstérisation, dans l'occasion 27e anniversaire police nationale, là, hier mercredi 12 juin, DGPNH, la France LB, lui promet pour bailler une réponse institutionnelle par rapport à Zach assassinat et fait sous trois policiers dimanche qui se passaient là. Yves Manuel. La mort tragique, trois policiers, unité tactique anti-gang, dans embuscade dans Delma 18, poussé au état-major police nationale là, annulé festivité, qui était de marquer 29e anniversaire institution. Directeur général police nationale d'Haïti, France LB, était accompagné de l'autre pomme dans au commandement, profiter, déposer une jeb fleur dans l'académie, pour honorer mémoire tout policier qui disparaît, yo. Face à dernière, pour te bourrer côté gang armé, yo, si main deuil dans l'institution, la police, là, France LB, dans une vidéo préenregistrée, pour mettre pour bailler une réponse institutionnelle, dans respect à la loi. 9 juin, hop 12 mars. La police a bailler une réponse institutionnelle, à Xaxa. C'est une vie croix chef police nationale d'Haïtien, institution Papfaye à mission qui s'est protégé population. Nous n'avons jamais faibli devant gros responsabilités que nous gagnons pour nous protéger population. Nous n'avons jamais la bataille nous mené pour la paix, sécurité et tranquillité dans le pays. J'ai un moment où le pays a demandé. J'ai un règlement institution police là, demandé. Police nationale a célébré anniversaire dans le moment côté institution a fait face à un pile défi. Bandits ont crasé et puis pillé plusieurs installations. La police, ils ont mis des feux là-dedans autour. Ils ont passé spansi mais deuil dans mi-temps institution. N'a souligné plusieurs centaines de manifestants qui prennent la rue dans Port-au-Prince mercredi qui mourent dans une condition tragique. Dimanche qui saute passé là. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel. Et dans l'actualité internationale, le gros point qui domine, c'est définitivement G7 là qui a déroulé dans le pays Italie. Restez branché. Ou toujours sous VOA Creole, ou à suivre un programme dans la langue créole haïtien, tant qu'on t'a annoncé, eh ben, je vous dis, à ces coups d'envoi G7 là, il y a un gros événement qui réunit pi gros économie mondiale, yo, dans le moment, il y a deux guerres qui ont saccagé le monde, en parlant de Israël, Hamas, et puis invasion, la Russie, et Jean-Robert Philippe a suivi pour nous de très près. Jean-Robert Philippe est pratiquement conférence de presse conjoint qui s'est faite entre président Joe Biden avec président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est pratiquement une grosse activité dans ce message, Jean-Robert. Effectivement, c'est un grand point qui marque la journée en même. Et c'est un message pour que nous voyons le président russe et Vladimir Poutine qui nous a bloqué nos guerres avec l'Ukraine. En tout cas, et l'idée est de prendre une grosse décision tout dans la même journée en tout. Et mais l'ESA est d'accord pour prêter l'Ukraine 50 milliards de dollars que les États-Unis ont fait des marches pour lui et bien prêter de l'argent ça. Et l'argent ça, l'absorption intérêt que 300 milliards de dollars que la Russie qui gère ce continent européen. Son victoire au président Joe Biden, malgré quelques pays européens qui ont déjà hésité sous Brea, mais de façon déclaration finale, là, l'a sorti exactement et dans le fin de sommet, non, déclaration qui a faite sous modalité, mais en principe, et président Biden paraît peut-être le monde qui est plus content pour le journée, ni lui-même, ni président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a besoin d'argent pour continuer la bataille avec la Russie. Sommet G7, pays qui pire sur la planète là, démarré dans ville Borgo et Ignazia, dans la région Puglia, dans le sud d'Italie. Italie invité Pape François, roi jordanien, leader ukrainien, Inde, Brésil, Argentine, Turquie, Émirats Arabes Unis, Kenya, Algérie, Tunisie avec Mauritanie, qui c'est actuel président de l'Union européenne. Premier ministre italien, Giorgia Meloni, déclaré.
il messaggio che vogliamo dare è di una G7 che sotto presidenza italiana vuole message group G7 là vous voyez bah c'est montrer volonté pour renforcer le dialogue avec pays sud en général non fait à cause de ça historiquement c'est lien entre ça classe on dit c'est un dialogue dans mitant la mer méditerranée mitant la mer qui connectait deux grands espaces maritimes sur planète là Atlantique là sur un côté et puis Indo-Pacifique là sur l'autre bois. Président Biden ensemble avec leader G7 a concentré sur la guerre en Moyen-Orient avec Ukraine, migration, infrastructure globale avec intelligence artificielle à continent africain. Président Biden revient dans sommet avec espoir, l'a convainc groupe là pour prêter Ukraine 50 milliards de dollars qui a soutenu intérêt 300 milliards de dollars bien la Russie possédée et qui gelait sur continent européen. Président Biden supporte le thème important premier ministre italien Giorgia Meloni qui dit l'a investi en Afrique, développement international avec changement climatique. Thème ça a fait partie ouverture première session jeudi 13 juin avant discussion sous guerre en Ukraine avec notre territoire Gaza. Président Volodymyr Zelensky, bon, au départ, c'est celle leader qui pas membre groupe G7 là, qui présent dans la cérémonie ouverture et qui parlait du conflit entre pays avec la Russie. Président Zelensky, si on voit à quoi à long terme sur sécurité avec président Joe Biden. Président Zelensky, il fait une chita parler avec premier ministre italien, Giorgia Meloni, premier ministre britannique là, Rishi Sunak, avec président français Emmanuel Macron. Côté sécurité, il y a 5000 policiers qui mobilisés pour garantir sécurité leader G7 yo, avec invité spécial yo. Beh, certamente un grand honneur. Viviamo un isolamento dorato. Mauricio Lupo, un résident dans la ville, a déclaré, bien sûr, c'est un gros honneur. Nous vivons dans une isolation en or. Nous pas capable de bouger, mais il vaut la peine à cause de toute ville là impliquée dans l'événement. Et certainement, nous profité de lui. Nous faisons sacrifice là à cause de nous fermer là. Nous pas capable de faire une série de bagages, mais il est acceptable. Paysage là, situation, tranquillité, tout bagage ça y est, pas un prix. Deuxième journée sommaire a déroulé sur immigration, situation Indo-Pacifique là, sécurité économique. Pape François Paldi et a parlé sur intelligence artificielle. Didéo a bien pour signer une déclaration finale dans fin sommaire. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Donc c'est un gros événement qui a déroulé Konya dans le pays Italie. C'est sommet G7 là qui réunit 7 plus grandes économies mondiales avec un paquet enjeux et symboles dans événement ça. Actualité ici aux États-Unis. Ancien président Donald Trump est trouvé aujourd'hui dans le Capitole là pour parler de stratégie électorale parti républicain qui voulait reprendre la Maison Blanche et créer pour gagner plus même encore dans le Congrès. Jean-Thierry Augustin Junior, tu es dans le Congrès pour nous. Et puis après partisan ancien président républicain Donald Trump te saccagé Capitole la 6 janvier 2021, c'est pour première fois ancien président Donald Trump retourner dans Capitole Hill là. Côté li t'a pral rencontrer avec député républicain yo nan matin et sénateur républicain yo nan après-midi pour discuter sous message campagne li avec stratégie législative pour l'année 2025. Là. Donald Trump a fait un retour triomphal dans le Capitole jeudi 13 juin 2024. Là. Législateur républicain au jeune force a dynamisé tentative pour reprendre la Maison Blanche. Richardson Hudson, président du comité national républicain Congrès, a dit pendant point de presse là, ensemble avec président Trump, nous prenons augmenter la majorité ça dans la Chambre. Là. Et puis ensuite, ensemble, nous prenons nettoyer des ordres que Joe Biden a créé. D'après un républicain dans réunion porte fermée, Trump te dit, il pensait que président chambre député Mike Johnson a fait un travail formidable et dans point de presse là, Mike Johnson te dit, we believe we are going to win back the White House. Nous croyons que nous allons retourner dans la Maison Blanche avec Sénat et puis augmenter majorité dans chambre là. Nous pas pral gaspiller un moment comme ça. Nous pral travailler sur un programme très agressif pour adresser tout gros problème pays nous a faire face dans moment ça. Nous te parlé un petit crasse sous ça jodi a avec président Trump. Steve Scalise,
républicain Louisiane, leader majorité chambre représentant États-Unis, dit député républicain yo a travaillé avec ancien président pour faire le réélire novembre cap vini là. President Trump t'a parlé sous ça nous ka fait ensemble à Congrès républicain pour résoudre problème ça yo en janvier. Mais toute bagarre a commencé 5 novembre. Et puis nous extrêmement uni dans travail avec président Trump pour faire le réélire pour nous ka travailler avec lui pour résoudre problème grave ça yo pays nous a fait face. Président Trump bon côté parle, te remercie législateur yo pour invitation ça et di yo que yo gen yon bagay en commun qui se fait États-Unis grand encore. I want to thank everybody here. Moi vle remercier tout moun ici là. Nous tout te eli. Au soir ou pral eli encore. Et moi avec nous chaque et nous connaît m'a toujours avec nous. Et merci en pile parce qu'on invité. Et puis nous pral gen en pile succès. Moi pense que nous pral gen yon élection formidable. 5 novembre très important. Mais nous vraiment commencé en pile pi bonnet passé ça. Li te continue pour dire one thing in common we want to make. Gen yon bagay en commun nous vle faire Amérique grand encore. Nous vle faire pays nou an grand encore. Nous se yon nation kap décliné. Nous se yon nation qui rete deyò nan tout monde lan. Nous gen yon leader qui rete deyò nan tout monde lan. Et puis nous pral virer. Nous pral virer li vite. Biro vote yo semble très fort pour nous. N'a rappelé ancien président républicain Donald Trump te joint nomination parti républicain pour aller représenter yon dans élection novembre qui vini là en face représentant démocrate là Joe Biden pour voir qui est qui pral mener back États-Unis pour une deuxième fois. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Donc c'est pratiquement une guerre à distance et côté que dans Congrès américain ben gen ancien président Donald Trump lui-même qui vini avec stratégie que l'a metté en place avec républicain qui dans Congrès pendant que président Joe Biden lui-même il trouvait l'ange 7 là en Italie côté pour le répéter ça le dit dans pays la France là pour dire que Donald Trump c'est un mauvais signe pour démocratie non seulement pour les États-Unis mais pour le monde, donc, yon situation que n'absu pour, surtout 2024, là, son année électorale, ici, aux États-Unis. Nous parlons en Floride, côté plusieurs zones, et inondées après gros la pluie cap tombé depuis hier mercredi. Divers habitants nan kayo qui prennent de l'eau, et puis chauffeurs qui gagnent machine qui endommagent autorité dans certaines villes, décrété état d'urgence pour plusieurs régions. Luxon Saint-Ville, t'as loué pour nous. Sen sa n'ap gade ya la, li vraiment même gens. Dans plusieurs autres rues dans notre Miami là nous entre 155 et 156e street quand des grand pile machine là qui a vini pour yo wè si yo capable traverser sen ça li là depuis hier côté grand pile de l'eau qui envahit des zones particulièrement dans notre Miami grand pile machine qui mouri dans de l'eau des monde qui endommagé qui des machine yo endommagé des monde tout qui gagne en dan kayo qui prend pile l'eau eh bien. Ça passe là. Matin, je suis sorti là. Avec bout de pantalon, je sorti. Ah bon? Mais je me déplacé, quitter la caille. Pour mal travailler. Alors, je ne sais pas si ils font abaisser là devant la déjà. Mais il est vraiment où? Oui. Côté de l'eau, il est bas où? Bon, genou. Waouh! Et quand il y a la côte, il est sorti. Je suis sorti à la caille. Je quitte la machine, je ne suis pas avec elle. La première fois que je vis Godlo, je suis ici longtemps, non, ici depuis le 30 janvier. Ok. Et moi, puis on a de là, ça, c'est pourquoi je suis sorti. Je suis sorti, mais quand je suis devant là, je suis venu pour me faire tout le parcours. Okay. Et puis, je suis allé, je suis passé par l'autre bord. Je suis retourné, je me dis, je suis arrivé, je me suis retiré, je suis allé en pied. Oui. Je suis retiré. Ok. Je m'arrête tellement loin, non, même je suis arrivé. La caille ne va pas prendre l'eau. La caille ne va pas prendre l'eau. Il prend de l'eau, il prend de l'eau pas derrière, dans la cour, et puis il lève le matin, pas de l'eau. Moi, quand il a sa machine là. Je connais sa Torini. Pour sa Torini. Oui, obligé de l'aide de l'eau pour. On va accueillir dans la rue, ni dans de l'eau. Obligé de territoire. Qui va ça arriver? Non, 146. 14e avenue. Moi, pour manœuvre là, ça qui passe où? Ou père rentrer bien? Non, de l'eau à trois, je vais prendre chance à l'entrée là-dedans parce que depuis, je ne suis pas sorti, mais moi, ça, son bagage. Ça, son.
son paquet mess on the street of Miami. Okay? No, this is the first time. I've been living here for so long, but this is the first time. Jean capable constater le pied nous dans de l'eau à ces mêmes gens gien pile citoyen dans notre Miami qui gien pied yo dans de l'eau à cause de la pluie ça cap tomber gien airport qui était obligé font ti retarder dans vol yo gien plusieurs cities tant coup fol de Miami qui obligé décréter état d'urgence gouverneur état Floride là décréter état d'urgence dans certaines régions ici à Miami USCIS était obligé fermer bureau que li gien. Il y a un mauvais temps qui affecté Sud Floride là, côté jusqu'à présent, gen moun kap constaté gen de l'eau dans la caillou. Depuis Miami, l'état Floride, Luxon Seville pour VOA Creole. Merci Luxon Seville, donc son la plus cap bay problème dans Sud état Floride côté que nous gen plusieurs et moun et même des compatriotes haïtiens yo même kap débouyé yo et ben ça qui gen machine kap obligé déplacer machine, moun qui obligé mettre pied au nan de l'eau, donc son inondation qui en général bay problème dans état Floride. Ou toujours sous VOA Creole ou ap suivi un programme dans langue créole haïtien, nous connaît jodi assez jeudi et en général les jeudi nous gen rendez-vous avec Cause et Femme. Et il y a un sujet qui est très important et qui est intéressant tout, c'est mesdames qui travaillent dans Hollywood comme cascadeurs, mandé plus égalité entre eux-mêmes avec monsieur. Sandra Lemaire, gain détail dans Cause Femme. All right ladies, let's go. Pour cascadeurs femmes yo, Hollywood pas un bon dossier du tout, surtout par rapport à ça yo qui conduit machine dans film yo. Ça la cause un groupe mesdames formé association chauffeur Famio qui c'est premier groupe cascadeur dans l'histoire qui fait spécialement pour chauffeur professionnel Famio. Olivia Summers t'est venu idée pour créer organisation ça. Elle travaille comme cascadeuse dans cinéma depuis 20 ans. Ou ka wè non li nan film populaire tan kou Bridesmaids avec The Flight Attendant. Mais mamzelle t'est bien déçue que ces chauffeurs garçons yo que yo kon employé en pile fois pour prendre pause femme yo dans plusieurs films. Li songe ou mauvaise expérience comme ça que li raconte nous. When I came out of a not so great production meeting about a commercial when the producer said, "Oh, I didn't know there were female drivers. We just put a guy in a wig." Et des associations ont été créées après une rencontre production qui parle bon du tout que m'était gagné à propos du seul qui t'a tourné en réclame. Le monde s'est dit, oh, moi pas de connaît quelque chauffeur femme. Nous t'es en y mettait un perruque sous tête ou nègre. Ça t'est frustré, mon pile, parce que qui j'en ai que ça pas de connaît? Ou bien est-ce que c'est menti là, bon, moi? Papa m'a fait mourir. Donc, moi, t'ai monté volant machine, moi, et puis m'a dit, papi, t'en prie, aide-moi. M'a pas contre ça pour me faire. Parce que papa m'a un gros fanatique, tout ça m'a qu'on fait. Et là, moi, passé clé machine, hein, et puis moi, t'entendais une voix qui dit, créez une équipe chauffeur cascadeur femme. Parce que toute l'autre équipe, yo, c'est garçon qui dominait, yo. Vraiment vrai, c'est pas fille seulement qui fait face à problème ça. Qu'il y a une tactique qui relève paint down tout. Côté, il y a qu'on peint figure ou bien corps ou cascadeur noir ou bien marron si a doublé un acteur qui pas blanc. My partner who's unfortunately not here today, my business partner, Lady partner moi qui malheureusement pas là aujourd'hui, Dee Bryant, c'est une plus bonne cascadeuse dans l'industrie, l'ici au noir américaine. Elle fait face à paint downs yo tout le temps. Garçon représenté 3 cas cascadeurs yo. Mesdames yo représenté 1 cas d'après syndicat acteur cinéma yo, SAG-AFTRA. Malgré syndicat yo gen règle qui dit fort production chercher chauffeur femme à cascadeuse pour rôle féminin et puis vice versa, coordonnateur cascadeur yo ka esquivé règle ça si yo dit yo te cherché tout côté et yo pas ka joindre aucune femme. D'après règlement SAG-AFTRA yo, fok coordonnateur cascadeur yo consulter syndicat si yo pas ka joindre ou cascadeur qui correspond à rôle là, mais li ra pour yo faire ça. Summers fait qu'on est. Naoki Kobayashi, c'est PDG Drift 101. It has to change. I think. Il dit faut que ça change. M'kwè nous besoin respecter moun et puis ouais tout moun égal égaux et puis sélection doit basée sur talent yo,
pas parce que nous avons expérience. Faut que nous ouvrions la porte là. L'industrie a commencé à souffrir à cause de ça. Et faut que nous jouions une nouvelle façon pour aborder l'industrie, moon, performer, tout ça en général. Formation pour travailler comme cascadeur coûte cher, tout d'après Summers. Il dit faut que moun ka travaille dans l'industrie rete en forme et puis faut que yo perfectionne talent yo en tant que chauffeur. Summers dit il était dépensé $18,000 première année travail li comme chauffeur. Il expliquait raison qui fait ça, c'est parce que caoutchouc kon pété, moteur kon gen problème, faut que ranger tout ça. Inégalité entre garçons et filles qui ont affecté le salaire tout, d'après cascadeuse Ashley Tate. What's called an adjustment, which is based on the difficulty of the stunt. L'idio banou sacrélé un ajustement qui basé sur difficulté cascade là, talent, combien fois ou obligé faire. Et moi quand moi garçon yo recevoir un pigo ajustement passé, mesdames yo pour même performance là. Après ça, contrat nous tête coupée yon a clôt. Tave dit li profiter performance li pour éliminer frustration qu'on gagne. But it just motivates you to work harder, train more and get your name out there so people know you. Il dit ça motive ou pour travail plus dur, entraîner plus, faire moun connait, faire moun connait réputation, que ou bon, ou qu'on ça va faire et que ou disponible pour travail. Pour Cause et Femmes, moi c'est Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Donc sur question qui revient sous tapis encore question et traitement qui j'ai pour traiter mesdames autant que monsieur yo et li paraît dans football, li paraît dans question et l'autre discipline sportive encore, mais li est un sujet qui toujours dans actualité a, et merci Sandra dans Cause et Femmes qui t'a abordé ça relé égalité et de gens. Nous presque rivé dans ces dernières lignes droite programme là. Nous voulons dire merci d'être toujours branché sous VOA Créole et nous allons parler de sport. Nous allons parler de sport parce que eh ben c'est yon un gros événement et qui gagne événement sportif non seulement et te gagne un tennis qui t'a frappé sérieusement mais qu'on y a pral gagne deux championnats que haïtiens remet en pile. C'est Coupe d'Europe des Nations avec Copa América. Et yo gagne importance spéciale tout simplement parce que eh ben ça permet que yo ait de grands joueurs qui t'a évolué dans club yo dans plusieurs championnats que ce soit la Liga en Espagne ou bien Bundesliga en Allemagne ou bien sous aller dans Calcio en Italie ou bien dans pays la France tout eh ben joueur ça qu'on a pour le gain pour faire la différence et gros question de ballon d'or qui en jeu. Par exemple on prend un temps Kylian Mbappé eh ben rêve monsieur c'est définitivement eh ben remporter ballon d'or monsieur t'a même remporter Ligue Champion ou après qu'il quitte Paris Saint-Germain qu'on y a lié à jouer dans Real Madrid mais en attendant que le retrouve Real Madrid eh ben lui même qu'on y a l'a joué pour équipe de France là il va jouer Coupe d'Europe des Nations et championnat ça va le fait là presque dans le même moment par exemple demain c'est coup d'envoi qui était demain c'est 14 juin et puis Copa América lui-même il pourrait commencer jeudi qu'a vinn là qui c'est 20 juin nous pourrait gagner premièrement des grands noms Mbappé par exemple Mbappé qui c'est capitaine équipe de France là et a joué dans Coupe d'Europe des Nations hein, et puis a gagné tout et des hommes d'un coup Vinicius qui a joué pour Real Madrid qui même qui va jouer dans Brésil quand on a regardé par exemple là gain Messi cap entraîné l'a préparé Copa América et donc c'est entraînement qu'a fait son courtoisie et FA et c'est Epi qui voye le banon et n'a pas gardé entraînement donc n'a pas gardé qu'on y a là Mbappé y a un monde qui fait photo Mbappé avec Tif donc c'est yon pratique qui de plus en plus est à fait donc ça c'est Mbappé ou a gardé là qui c'est yon nan grande figure pas Copa América mais c'est dans Coupe d'Europe des Nations qui pourra jouer pour la France donc nous est belle statue ça qui fait en l'honneur de Mbappé
et prodige français à 25 ans. Monsieur déjà gon carrière extraordinaire. Il quitte Paris Saint-Germain là. L'aller dans Real Madrid, bien que Kobe là, que l'a touché dans Real. Dans Real là. Puis il dit que Kobe l'a touché dans Paris Saint-Germain. Et puis tout, gagné Lionel Messi, qui toujours dans actualité à tout. Faut nous pas oublier Lionel Messi. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Donc, n'a pas cassé rendez-vous pour demain, pour dernier sorti nous, pour rendez-vous info. Et nous remercions toute équipe là qui t'a aidé nous mettre et sur ça et dans l'air. Et puis nous remercions Rob McLean, nous remercions Lionel qui était là avec nous. Merci Lionel. Et puis nous dit Chang Wang. Même les côtés au pralé, vous connaissez le papara, dit oui. Même les côtés au pralé, bagayo dit tout yon bon, oui. Mais yo dit que, bah yo ale kote sa, pou yo kapab assire avni petit yo. Mais PM koni dit que, li pral travay avec gouvernement nan. Li pral travay avec conseil présidentiel yo. Et tout l'État pou yo rive rétabli sécurité, rétabli autorité de l'État en de pays. Et pour pas pour permettre que avec un pile jeune un pile haïtien espoir au sécurité payant il pas dit non non mais il prend le travail pour diminuer ça. Est-ce que PM Kony avec équipe client est-ce qu'il est conscient de problème qui est là? Est-ce que il ouais dans quelle dimension insécurité violence grand goût calamité que peuple haïtien en tiré là. Jodi an, nan jounekte 11 géant, PM Kony prend de gros engagements pour que li permette que l'État fonctionne et que l'État va servir le peuple haïtien. PM Kony, clairement dit, c'est zéro tolérance contre bandit, zéro tolérance contre question corruption en un pays. Et n'a dit clairement, selon dirigeant politique Bato Junior, que nous parlons avec plusieurs fois, ici, dans mes sacs nouvelles, monsieur confirmé, c'est plus passé une dizaine de monde que bandits vivant sans barbecue a dirigé dans Badelma, qui blessé. Et parmi ceux qui blessé, il y a presque 6 à 7 monde qui mourit, selon Bato Junior. Et expliquer raison qui fait moun yo mourir c'est parce que moun yo yo té censé dé yon ti chat blindé la police qui té en dans zone ça bandi yo au lieu que yo té tiré sous chat ou au lieu que yo té boukété koubal avec la police yo té préféré tirer directement sous population. Est-ce que peuple est-ce que autorité yo a prêté garder bandi yo nan jan de action sa yo. Mes amis, c'est jou kap konté. C'est le kap konté pour que officier kenyan yo débarque dans pays pour vin aider la police, aider l'armée pour battre kokè son gang parce que opération campagne débarrasser gang yo, campagne opération débarrasser les gang yo, campagne opération de chouke gang yo. Li déjà commencé dans Solino, Delma 24, et il commence à prendre tout reste pays. Desi commande, mon frère. La situation, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer dans Kafoua, bien que pas quelqu'un content, mais nous, toutefois, mettez-nous disponibles pour vite informer, amis, internautes qui tout partout, cap gardé, étendez ensemble notre information que nous présentons surtout dans Kafou Vérité. Moment, il est arrivé, où il était nommé gouvernement, la situation, pour être choisi pour monter le gouvernement, pour poser sa terre dans le bout de l'île, eh bien, installation arrive faite. Qui permet que ensemble ministère, c'est toujours 18 ministères, mais qui a 14 monde qui pratiquement siégé par rapport avec portefeuille qui double dans le plusieurs ministres. Peuple haïtien qui pas qu'attendre encore. Il y a un grand goût, il y a une insécurité, il y a une insalubrité. Moun yo pratiquement tourné nomade la caillou. Yo ti yo pa katan ke ministre sa yo arrange yo après vin pran investiture. Yo pa même besoin pran temps nan te kevè. Yo pa dwe même pran temps nan coupe gâteau. Yo pa même dwe pran temps nan déboucher champagne.
c'était bot yo pour yo te mettre dans pied yo pour yo prendre la rue qui pour venir faire face avec problème que peuple a connaît qui c'est l'insécurité généralisée qui empêche évacuer avec activité yo. Parce que peuple haïtien pas vivre ça cap vivre dans pays a dans quoi dans nom yo pas vivre et ça cap vivre dehors qui gain un stress qui enragé y a travail yo pas qu'à faire progression yo pas qu'à faire progrès yo pas qu'à entendre pour rêve que vous avez gagné pour le réaliser parce que la caille des problèmes tout ça vous gagne yo obligé investir dans monde qui la caille soit dans l'hôpital dans l'école dans kidnapping c'est diaspora je dis à monsieur dame qui dans gouvernement comme Gary Conille déclaré c'est zéro tolérance envers corruption l'on connaît ces corruptions qui base insécurité à si Gary Conille tout bon vrai voulez résoudre problème corruption blesse personne li baye l'espoir qui montrait au moins que peuple haïtien sans doute par les outils dans ça que pays a trouvé là président ou coordonnateur actuel conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils baye responsabilité avec Gary Conille pour entendre qui cap permettre au moins que pays a tourné sous rail démocratique et résoudre problème insécurité à pendant le mandat de Gary Conille pour travailler en étroite collaboration avec conseil présidentiel transition qui cap permettre ensemble de ça que vous gagnez dans feuille de route, ensemble de ça que vous gagnez dans programme, vous arrivez à réaliser ensemble dans l'intérêt peuple haïtien. Gen Gary Jean-Baptiste, SPNH 17, Blaise Peterson, li pa mette de l'eau dans la bouche pour le passer prendre France LB, autorité qui n'en recommande la police. Qui a dit que vous pral mener enquête? Gary Jean-Baptiste dit, barbecue dit c'est lui-même qui touye policier avec équipe li mandé avec la police pour aller prendre cadavre. Il dit en pile fois les policiers mouillent toujours comme ça. C'est toujours enquête par exemple aboutit avec rien et selon Gary Jean-Baptiste, c'est dernière fois que ça a privé. La session depuis après publication dans les moniteurs non ensemble ministre qui fait partie gouvernement Colina Golobey dans directoire parti petite Dessaline causé après la rue. C'est attends tu pas comblé. En pile l'on est qui te connaît ça a été la même. Bon, attendez, c'est le ministère d'Intérieur, t'as filé. Qui est en mairie? Qui est en mairie parce qu'il y a délégation départementale parce que c'est ça au besoin. Bata la bral pété, bata la bral éclaté, pirette, blesse personne, ça veut dire, ouais, pays ça, la marché de instabilité à instabilité. M'kwe, zami et nous, cap gade, cap tende yo. Tende revendication, mesdames yo. Surtout, organisation femme, madame Sarah yo. Yo dit, ministre que yo mette, dans ministère condition femme, ak doua femme nan, li pas reflété avec revendication parce que c'est pas moun yo te jan mwen qui te compte accompagner yo dans quatre mouvements yo c'est même genre monsieur dame yo et sous point ça des Ibenez mon petite motion gagné militant droit femme qui c'est Novia Augustin li même loge li même sous et conseiller le général Gilles pour faire connaître que Marie François Suzanne qui c'est ministre ménage et si vous écoutez bon et pour me répéter et pour me citer Novia Augustin et comme militant droit femme dans Haïti. Non, n'a pas besoin. N'a pas besoin. Bah, tu sais, mais quand tu as réglé, bah, tu as occupé là. Et comment tu as dit encore toi, la semaine? Non, il a dit là encore. Vous calmez. Consentant. Ça veut dire, n'a pas arrangé là pendant ces conseils présidentiels, là, au passé, non, ministère, pour qu'on fasse peser. Au moins, il faut que je ne côté pour vous peser. Pour ne pas la justice avec vous seulement. C'est pour ne pas depuis notre dictateur, depuis le petit comme dame pour ma bérégène, eh bien, il n'y a pas de temps entre vous. Je veux dire, ce n'est pas ça que le pays a besoin. Le pays a besoin de monde qui est honnête, de monde qui a vu une bataille pour venir résoudre le problème qui est là. Mais ce n'est pas groupe de monde qui a venu régler les bagailles de ménage, les bagailles de amis, parce que le pays a souffert trop. Il y a diverses directions départementales en étant pays en blessé personne. Malgré la direction générale, tu dis que. Il était campé sur toute activité officielle que tu as fait, mais direction départementale, policiers, yo dit, il va la quitter, je vais passer ses affaires, il y a divers qui chantaient, mais action de grâce pour réfléchir sous mauvais moment que PNH connaît depuis un bon bout de temps. Si on va aborder pour résoudre le problème, là, et me blesse personne, nous pourrons analyser, nous pourrons questionner pendant 100 000 internautes, nous pourrons attendre ensemble des discours, ensemble des gens qui parlent, dans une installation. Ensemble, position qui prend, qui sa position est, qui sa raconte, est-ce que nous avons de l'espoir? Est-ce qu'à travers le discours, l'idine, c'est l'autorité qui marie avec chef, qui parle, qui vous permet que bandits, nous avons distribué les armes en deux pays pour assumer les responsabilités. Et faut que nous surtout, il y a divers militants qui te foutent le béton devant Villa d'accueil, qui m'ont arrêté André Michel. Parce que. André Michel est dedans? Bon. Ça doit être André Michel Dendon. Si militant calme manifeste pour la demande de Marie André Michel, il est dedans.
André Michel l'a passé. Militant a dit, vite l'homme innocent, t'es déclaré, c'est André Michel qui mettait le côté l'IA. Eh bien, peut-être ça, militant a demandé, faut que vous marie André Michel qui va permettre que le pays sorti dans la situation que l'IA, parce que c'est une exemple classe pays à la situation. Désir, avant qu'elle mène avec les déclarations, bien, allocution, discours, et président Edgar Leblanc-Fils, et PM Gary Koni, ma, à travers l'émission ça, m'a servi de voix pam. Et parce que Désir venait à d'accord avec moi. Ça m'a dit là. Diaspora haïtien, qui surtout États-Unis, t'as pris souple, ben pep haïtien chance dans bagay ça. Au contraire, si nous connaissons étrangers qui ont même rentré dans genre de pratique ça yo, dénoncer yo, mandez pour arrêter yo. Vous savez ça me dit bien? Diaspora haïtien en pile nan nous, m'pa généraliser. OK? En pile nan nous qui vivent États-Unis. Qui entre dans le commerce Sam en Haïti? T'as pris souple, ça qui a passé la canon en Haïti, nous pas innocents là-dedans. Et je dénonce nous en pile fois. Il implique dans la question ça. Et si toutefois, que nous avons un étranger qui dans le commerce Sam sorti des États-Unis pour aller à Haïti, t'as pris souple, au contraire, dénoncé. Et ça m'a dit, pour que ça m'a dit, c'est parce que nous apprenons la police n'a pas ici. À douanier. Yo rive saisi. M'a dicté, combien m'a dicté 9? C'est ma changé. Eh bien, yo rive saisi non conteneur qui sorti États-Unis pour entrer Haïti. Qui entre Haïti? Non conteneur ça, yo jouen 10 chargés ZAM 9 mm. 157 cartouches. Parmi yo, gen 100 calibre 9 mm. 50 calibre 38 et 7 calibre 12. Mes amis, diaspora en pile dans nous, toujours ap dit que nous besoin rentrer la caille. Nous besoin aller la caille parce qu'on quitte la caille trop longtemps. Nous gen maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine qui en Haïti. Nous gen bien nous en Haïti. Pas vrai? Mais si je dis, nous besoin faire tout ça yo. En pile nan nou, an sis pan manifeste mauvaise volonté pour ne pas voir exam en Haïti, mes amis. Chaque cas tout ça yo, c'est la vie ou moun ke li. Chaque cas tout ça yo, c'est ou moun y a tout Haïti. Si que yo te quelque chose passé pour aller à jeune moun sa yo. Et bien, n'a dit que insécurité qui gagne Haïti a que comme s'il fait nous mal. Mais s'il fait nous mal, c'est vrai qu'on fait nous mal. Ça qui va impliquer dans le SAO. Mais en nous, tout ça qui va impliquer, en nous dénoncer, en nous demander pour que des contrôles qui mettent et pour arriver, pour que arrêter et décider les questions. Question, un groupe haïtien mélangé avec un ensemble étranger, États-Unis surtout, pour avoir des âmes à vendre en Haïti. Mais c'est pas normal. On bataille contre ça. Désir, sois comprendre de ça, frère, avant que nous venions avec mon déclaration. Mon la situation, modèle bataille contre l'insécurité, nous disons ça tout le temps ici. Diaspora, li mérite pour le jouer rôle par la donne. Et au capable. Non, aider, identifier. Parce que, mon cap est parti. Et pas aider, toi, Joseph, pardon? Non. Bah écoute mais non permettre que yo découvri toutes les FAIS, toutes les maçons de pays, toutes les criminels qui cassent en dedans communauté internationale là, qui fait trafic d'armes en dedans pays.
tout le monde qui dans la communauté a pas connaît, mais a bon monde qui partage même espace cap connaît Zaxi là parce que lui fait nous plus mal qu'il fait nous bien. Quand c'est la vie qui a prouvé en dans pays, c'est pas pays d'Haïti qui fabrique cartouche. C'est pas pays d'Haïti qui fabrique zamieux. Zamieux aussi quelque part. Il y a des monde même que c'est à des étrangers, il y a pratique là avec des Haïtiens qui comptent rien bien, qui comptent groupe mieux bien pour cap faire distribution pour permettre que nous gagnions dans une. Policiers qui sont morts, c'est cartouche qui tue. C'est zame illégal qui tue. Zame illégal, c'est poison. Ou même qui a fait pratique ça. Garde tête dans miroir. Mets-toi en position. Moun son kap mouri ya. Mets ton petit ou. Mets ton neveu. Mets ton nièce ou. Mets madame ou. Mets maman ou. Mets papa ou. Ou a privé kopgan ki doule si la ou ki a victime. Ou a va suspend avec trafic. Zamande dans le pays d'Haïti. Laisse des sons. Désir, on va venir avec monsieur Sayo. À la fois président conseil et puis et PM Gaïkouni. Ensemble, que nous avons le temps de yo. Et on croit que ni moi ni Désir. N'a pas de réaction de ça au disant et comment que nous-mêmes nous comprenons ça dit au désir venez. Mais entre-temps, n'a pas dit avec chaque grain de monde, prends ça nous pour que nous capable tendre PM Koni. Pour que nous capable tendre et Edgar Leblanc fils comme président conseil présidentiel. Et je crois que c'est important pour nous garder les gens. Et nous-mêmes, nous avons tout droit pour nous faire des réactions sur ça. Et puis tout, pour nous dire qui ça attend nous y est. En tant que Monsieur le Premier ministre, la tenue de la conférence nationale sera l'occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est